Présentation de visiteurs. Je n'en vois aucune. Période de questions orales. Chef de l'opposition loyale de Sa Majesté. Monsieur le Président, ma question est pour le Premier ministre par intérim. Pour 4 ans, ce gouvernement reste silencieux. Pour 4 ans, ce gouvernement n'a pris aucune mesure. Ensuite, tout à coup, lors des sondages, les annonces commencent à arriver. Les libéraux annoncent enfin qu'ils appuient une université francophone en Ontario. Pourtant, nous ne voyons pas de projets de loi ni aucune université. Monsieur le Président, la promesse d'une université francophone, est-ce que c'est simplement peut être réel? Merci, le Président. Merci pour la question. I am enormously excited. Je suis très fébrile. Quant à le mouvement de l'Université des Franco-Ontariens, pendant trop longtemps, les francophones n'ont pas eu l'occasion et d'apprendre dans un environnement pour les francophones. La situation changera et je suis heureuse d'annoncer des avancées à cet égard. Complémentaire. Encore pour le Premier ministre par intérim. Le Collège Boréal doit être assuré que le projet de l'Université francophone de l'Ontario sera lancé. Ce ne peut pas être seulement qu'une promesse électorale. Le projet de loi doit être déposé et adopté à l'automne pour permettre au Collège Boréal de s'organiser. Et le problème avec ce gouvernement, Monsieur le Président, et que chaque fois qu'il y a une nouvelle promesse avant qu'une élection, c'est typique qu'il brise cette promesse. Mais le Collège Boréal a besoin de s'organiser. Est-ce que ça, c'est le cas? Est-ce que le Collège Boréal peut être organisé? Merci. Ministre des Affaires francophones. Je suis vraiment fière de la question parce que ça va me permettre de parler de toutes les promesses que ce parti a fait pour les francophones et qui ont brisé depuis des années. Donc, moi, je suis fière de l'engagement de notre gouvernement pour faire rayonner la francophonie ici en Ontario. On a des actions concrètes. On va déposer un projet de loi pour la première fois, Monsieur le Président, une université de langue française par et pour les francophones. Donc, lorsque le chef de l'opposition parle de promesses brisées, on peut se souvenir de Montfort et du traitement qu'ils ont fait à notre francophonie au sein de plusieurs années. Donc, Monsieur le Président, je suis fière de faire partie du gouvernement Wynne, d'une première ministre qui s'est engagée pour les Franco-Ontariens et d'un caucus avec qui, tous ensemble, on va faire rayonner la francophonie en Ontario. Merci. Intervention du Président. Complémentaire final. Monsieur le Président, encore à la Premier ministre par interim. La question est-ce qu'il y a une loi cet automne? La question est-ce qu'il y a les fonds cet automne, pas après la prochaine élection. Nous avons besoin que le gouvernement agisse aujourd'hui. Le rapport de l'Université francophone par Mme Diane Adams a été publié il y a quelques semaines. C'était une bonne première étape. Mais nous avons besoin de vrais engagements des libéraux et des organisations francophones clés impliquées dans le projet ont encore des inquiétudes. Monsieur le Président, les partenaires ont demandé d'avoir une représentation des élèves et des communautés sur le comité de mise en œuvre. Est-ce que cela sera le cas? Merci. La minute. Thank you. Monsieur le Président, écoutez, j'étais enchantée, nous étions enchantés du travail exceptionnel que Dr. Diane Adams a fait avec son équipe au niveau du Conseil de planification. Le rapport Adams vient rejoindre, vient nous donner les outils. Et ce qu'on s'est engagé à nous, le gouvernement, c'est de déposer un projet de loi, de créer un fonds pour le comité aviseur de mise en place qui va aider à faire avancer le dossier. Et en plus,
Province, un fonds de démarrage de 20 millions de dollars pour permettre à ce comité de faire la mise en place de l'université. Peut-être que le chef de l'opposition devrait revoir ses notes, comment qu'on crée une université de langue française. Nous devons déposer un projet de loi, une entité légale, et c'est ce qu'on s'est engagé à faire cet automne pour les francophones et nos franco-ontariens. Merci, merci, Monsieur le Président. Nouvelle question. Asseyez-vous. Nouvelle question, chef de l'opposition. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. La semaine dernière, le gouvernement est allé de l'avant avec des contrats pour de l'énergie inutile, des contrats antésignés, des contrats inutiles. Depuis le film Police Academy sur la plage de Miami, ce sont des contrats futiles. Monsieur le Président, ce sont les mêmes contrats avancés par les libéraux avant leur plan inutile énergétique. 150 mégawatts d'énergie dont l'Ontario n'a pas besoin. Pourquoi les libéraux, le gouvernement continue de signer des contrats pour de l'énergie inutile? Ministre de l'Énergie, merci, M. le Président. Toujours heureux de répondre à cette question. Si on parle de film, c'est comme le jour de la marmotte de ce côté de la chambre. Oui, c'est toujours la même chose dit d'un parti qui n'a aucune idée du dossier énergétique. Ce parti doit écouter ses porte-paroles. À la télévision Ontario, en parlant à Steve Pagan, ils ont parlé de la signature d'un nouveau contrat avec de mauvais contrats. C'était pas la vérité. Le porte-parole de l'énergie. Le gouvernement, pardon, l'opposition ne comprend même pas le processus de rachat garanti. Ça va jusqu'à 2016. Il n'y a rien de nouveau. C'est comme le jour de la marmotte. Et comme les gouvernements, pour eux, ils sautent d'un enjeu à un autre, sans sérieux, complémentaire. De retour au ministre, la première ministre est reconnue pour son dialogue. Ces dialogues coûtent aux Ontariens des millions de dollars et parfois des milliards de dollars. Son dernier dialogue est une promesse au parti de l'opposition au Québec. La première ministre est engagée avec des barrages au Québec pour davantage d'énergie que l'Ontario n'a pas besoin. La première ministre le refuse. Peut-être que les libéraux, ils veulent dire la vérité. Il y a de nouveaux contrats pour de l'énergie inutile. Il y a un rapport dans la presse au Québec concernant ce nouveau contrat secret. Est-ce que les libéraux négocient actuellement des contrats d'électricité au Québec dont nous n'avons pas besoin? Monsieur le Président, la Première ministre, moi-même, on a été très clair. Il n'y a pas de nouveau contrat avec le Québec, mais l'opposition continue de le soulever sans fait pour l'appuyer. Et voilà tout le problème avec l'opposition lorsqu'il raconte des choses qui ne sont pas vraies. Merci, M. le Président. Notre gouvernement, député de Prince Edward Hastings, rappel à l'ordre et je vais peut-être en arriver aux avertissements. Notre gouvernement a dit clairement que nos objectifs pour le système électrique, qu'il soit propre, efficace et abordable, nous n'allons pas prendre en compte aucune entente qui ne répondront pas à ces objectifs, que ce soit des importations du Québec ou de la production ici, que ce soit des tweets ou des gazouillis, il n'y a pas. Ça n'a rien à voir avec ce que nous effectuons ici. Nous, nous concentrons sur la production d'énergie propre, efficace et abordable. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Complémentaire?
Monsieur le Président, encore une fois, au ministre de l'Énergie, et on parle du jour de la marmotte, voici le gouvernement qui dira n'importe quoi, peu importe qu'en est-il de la vérité, peu importe les faits. Le premier ministre du Québec a dit que l'annonce du CIQ était très préoccupante. C'était une grande erreur. Le premier ministre du Québec a peut-être d'autres raisons d'être préoccupé, mais pour moi aussi, c'est préoccupant. Je sais que la première ministre et le ministre disent que les journaux ont tort et que tout le monde a tort, mais ça l'a fait les manchettes pour une raison. C'est préoccupant que l'Ontario est dans une entente pour conclure de l'énergie qu'on n'a pas de besoin. Moi, je suis tanné, je n'en peux plus de que les Ontariens paient pour de l'électricité. Veuillez continuer. Monsieur le Président, député de Glengarry-Prescott-Russell a été averti. Allez-y, continuez. Monsieur le Président, je n'en peux plus de 1 milliard de dollars d'énergie propre, verte, qui est gaspillée. Monsieur le Président, voici ma question. Au lieu de s'en prendre aux autres, est-ce que vous allez dire que la première ministre a dit la semaine dernière qu'elle travaillait sur une entente avec le Québec et elle en parlait? Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des négociations avec le Québec? Veuillez vous asseoir. Ministre, merci, M. le Président. Soyons très clairs. La première ministre a dit qu'il n'y a pas de nouvelle entente avec le Québec. Moi, je l'ai dit, mais encore une fois, ils tentent d'utiliser leur propre information, mais et de continuer aux Ontariens de leur donner la mauvaise information. Ils ont fait la même chose avec le secteur de l'énergie et aussi avec l'eau gaspillée. Voilà le peu qu'ils connaissent au sujet du système électrique. Un des avantages de notre système souple, fiable et propre, c'est que nous pouvons acheter de l'énergie telle quand nous en avons de besoin. Ça veut dire qu'on utilise seulement l'énergie qui est produite, qui est la moins chère au moment donné. Il semble que ce gouvernement, que ce parti veut continuer de facturer aux contribuables de plus en plus. Nous avons apporté un programme, un plan qui réduit les taux de 25 %. Qu'ont-ils fait? Eux, ils ont voté contre. The curse you have is you're sitting right beside me. No question, the leader of the third party. Nouvelle question, chef de la troisième partie, du troisième parti. Monsieur le Président, ma question est à la vice-première ministre. Dernièrement, on a reçu des résultats d'une demande d'accès à l'information, à savoir les sommes qui sont dépensées sur leur de publicité sur leur programme d'électricité. C'est 5,5 millions de dollars pour vendre cette entente aux contribuables. Les documents ont démontré que la raison pour cette campagne, c'était de contrer les manchettes négatives au sujet des tarifs d'électricité qui augmentent. Est-ce que le gouvernement peut justifier 5,5 millions de dollars de dépenser seulement pour une couverture médiatique qui est négative? Ministre de l'Énergie. Merci, M. le Président. Je suis toujours content de pouvoir parler du système d'électricité équitable qui va entraîner une réduction de 25 % dans tous les ménages de l'Ontario. C'est important qu'ils connaissent, qu'ils en savent quelque chose au sujet de cette information, mais c'est aussi important qu'ils connaissent les programmes qui sont disponibles, le soutien qui a augmenté les rabais que les familles sont admissibles à recevoir. Nous allons aider 500 000 familles avec le programme d'aide, de soutien. Nous voulons nous assurer que toutes les personnes qui sont admissibles puissent y avoir accès. On ne peut pas dépendre sur l'opposition ou les partis de l'opposition d'en parler de ces programmes. Donc, on doit s'assurer que le gouvernement a la responsabilité de sensibiliser les gens au sujet de ces programmes et de ces services qui aident les Ontariens. Nous assurons que nous aidons aux gens des collectivités, des Premières Nations et des aînés.
complémentaires. Le gouvernement dépense 5,5 millions de dollars pour faire la promotion de leur plan. Et ce plan, d'après le DRF, va coûter plus aux familles à long terme. Ça n'aide pas les Ontariens qui ont de la difficulté à payer leurs factures aujourd'hui. Par contre, le programme d'appui que le gouvernement vient de soulever a reçu une publicité qui valait moins de la moitié de 5,5 millions de dollars pour parler de leur programme. Est-ce que le gouvernement peut expliquer pourquoi ils veulent faire la publicité pour protéger leurs propres intérêts au lieu de parler des rabais qu'ils offrent aux Ontariens? Merci, M. le Président. Nous sommes très fiers du programme de soutien aux personnes à faible revenu, mais on veut aider à plus d'Ontariens. Voilà ce que notre plan a fait pour aider les gens à faible revenu, qui est contraire à leur propre plan. Et je sais qu'ils ont oublié d'en parler de leur plan parce que ça n'a rien fait pour aider les gens. Mais de plus, M. le Président, il y a plus de programmes qui vont aider les gens qui ont de faibles revenus ou qui vivent dans les régions rurales ou dans le Nord. Nous avons changé notre plan des contribuables de R1 et R2 et 6 autres services publics pour s'assurer que les frais de livraison sont au même niveau que les autres dans la province. Donc, ils vont épargner de grandes sommes d'argent. Et ça l'aide à tous les ménages et les petites et moyennes entreprises dans la province. Si le gouvernement s'y est engagé pour aider les Ontariens à payer leurs factures, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas utilisé le 5,5 millions de dollars de publicité pour aider les Ontariens à payer leurs factures d'électricité? Ministre, merci, M. le Président. S'ils sont préoccupés à aider tant de personnes à faible revenu, à aider toutes les familles en Ontario, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas voté pour le plan d'électricité et des frais d'électricité juste, équitable? C'est une réduction de 25 %, mais au lieu, ils ont voté contre. Ils ont voté contre la réduction des frais de livraison pour les Premières Nations et les plans de soutien pour les aînés, les gens à faible revenu. Ils ont voté aussi contre les 3RP pour aider les gens dans les régions rurales et dans le Nord. Bien sûr, M. le Président, c'est rien d'inhabituel parce que ce parti continue de toujours voter non pour les mesures qui aident les Ontariens. Voilà ce que nous proposons, tel que le projet de loi 148 qui va continuer d'investir dans les gens en Ontario et va améliorer leur vie. Nouvelle question, chef du troisième parti. Ma question est à la vice-première ministre. Cette campagne de publicité est financée jusqu'à l'élection de 2018. Et avec les changements qui ont été apportés par ce gouvernement à la loi sur les publicités, le gouvernement peut effectuer leur publicité partisane jusqu'à l'élection de 2018 sans que la vérificatrice générale puisse avoir un contrôle dessus. Est-ce que le gouvernement croit que c'est une bonne idée d'avoir une publicité sur leur plan de prêt de 40 milliards de dollars? Est-ce que cela va leur permettre de demeurer au pouvoir lors de la prochaine élection? Ministre de l'Énergie. Merci, M. le Président. Parlons du plan de frais d'électricité juste, réduction de 25 % pour toutes les familles en Ontario, réduction pour les petites et moyennes entreprises, et ensuite les programmes de soutien aux gens à faible revenu. Député de Renfrew, rappel à l'ordre. Et député de Stoney Creek. Rappel à l'ordre. Allez-y, continuez. Merci, M. le Président. Le programme d'aide apporte des soutiens aux gens à faible revenu. Près de 300 000 Ontariens ont déjà fait la demande pour y participer. Nous faisons tout ce que nous pouvons de ce côté-ci de la Chambre pour assurer que plus de gens puissent y avoir accès. Nous avons envoyé des publicités aux gens, des publicités par la poste et
aussi à la télévision, pour assurer que les gens qui sont admissibles puissent y avoir accès. Parlons d'utiliser les données publiques à des fins partisanes. Parlons de cela. La vérificatrice générale elle-même a dit que le gouvernement libéral et les changements qu'ils ont apportés au niveau des publicités leur donnent un avantage partisan. Et nous savons que le rapport du DRF, que la raison d'être de cette campagne de publicité, c'était à la suite des manchettes qui étaient négatives. Est-ce que la première ministre n'a pas appris sa leçon, à savoir ses tactiques secrètes, clandestines, et que les Ontariens en ont marre de ce type de tactique de la part du gouvernement libéral? Monsieur le Président, c'est seulement l'opposition d'en face qui pense que d'apporter des réductions au niveau des frais d'électricité est quelque chose de secret et de clandestin. Vous savez, ce qu'il est, c'est qu'ils ont voté contre et ils ne le disent pas publiquement. De ce côté-ci, nous nous sommes assurés que nous avons présenté un plan qui va aider tous les Ontariens, tous les ménages en Ontario. Il va continuer de trouver des moyens d'aider les entreprises et nous allons continuer de s'assurer qu'on puisse faire passer le message pour que les gens qui soient admissibles puissent y participer. Et voilà ce qu'on fait de différent que l'opposition. Monsieur le Président, cette campagne de publicité est très coûteuse. Elle a été envisagée pour aider la première ministre et son gouvernement libéral d'avoir une augmentation au niveau des sondages. Elle parle des avantages d'un programme que le DRF dit qui est mauvais pour les familles de l'Ontario. Et la première ministre lance ses publicités sans aucun contrôle de la vérificatrice générale parce que son parti a décidé de changer le règlement pour être à l'avantage du gouvernement. C'est toujours la même chose. Pourquoi est-ce que le gouvernement libéral met la priorité sur leur avenir public au-dessus des besoins des Ontariens? Président du Conseil du Trésor. Président. Merci, Monsieur le Président. Et je voudrais rappeler à tout le monde que l'Ontario est la seule province au Canada qui a un gouvernement qui a une loi sur la publicité qui permet à la vérificatrice générale d'avoir un droit de regard. Le parti de l'opposition a voté contre cette mesure en 2014 et ils ont voté contre la mise à jour en 2015. Et laissez-moi vous dire ce qui existe dans cette loi mise à jour en 2015 qu'ils ont opposée. Ce qui s'y trouve, c'est une interdiction de la publicité du gouvernement lorsqu'il y a une élection prévue que nous allons avoir en juin 2018. Il y a une interdiction explicite sur les publicités du gouvernement 60 jours avant l'élection. Nous n'allons pas avoir des publicités lors de cette période de 60 jours. J'aime toujours rappeler aux députés que vous devez parler par l'entremise de la présidence. Nouvelle question. Député de Sault-Sainte-Marie. Monsieur le Président, ma question est à la vice-première ministre. Jeudi dernier, député de Northumberland-Quinte-West a parlé du Nord en étant une terre inhabitée. Moi, je ne représente pas une terre inhabitée. Je représente les gens de Sault-Sainte-Marie. Et en tant que gens du Nord, avec grande fierté, nous nous opposons à ce type de commentaires. Rappel à l'ordre. Le député a reconnu de formuler ses commentaires et la vidéo démontre qu'il a prononcé ses commentaires aux députés de Parry Sound. Les gens de ma collectivité me disent continuellement que ce gouvernement ne se préoccupe pas du Nord. Cela confirme cette croyance. Donc, Monsieur le Président, est-ce que la vice-première ministre va reconnaître la vérité et s'excusera de cette attaque contre le Nord? Ou est-ce qu'elle va confirmer ce que nous savons déjà, que les gens du Nord n'intéressent pas ce gouvernement? Seated, please.
Veuillez vous asseoir. Vice-première ministre, Monsieur le Président, il y a plusieurs personnes dans cette Assemblée qui travaillent très fort pour leur commettant. Je peux vous dire que le député de Northumberland, Quinty West, n'a aucun égal lorsqu'il s'agit d'écouter les gens dans sa circonscription et d'y répondre. Le climat qui existe ici dans la Chambre, je vais demander au député de Northumberland, Quinty West, de vous conformer au règlement et du député de Kitchener-Conestoga aussi rappel à l'ordre. Ainsi que les députés de Beaches East York. Allez-y compléter, Monsieur le Président. Le député de Northumberland, Quinty West, travaille sans relâche. Il travaille dans sa circonscription. Il écoute les préoccupations de ses commettants et il revient ici à Queen's Park et soulève ses préoccupations. Député de Nepean Carlton, rappel à l'ordre. Et maintenant, à la suite du message que vous m'envoyez, on passe maintenant aux avertissements. Allez-y, continuez. On peut tous apprendre quelque chose du député de Northumberland, Quinty West. On sera tous meilleurs si on suit son exemple. Complémentaire. Député de Nipissing. Madame la vice Première ministre, nous avons tous vu la vidéo. Le député de Northumberland, Quinty West, a lancé un message offensant auprès des gens du Nord. Ces commentaires que les gens dans ma circonscription vivent dans une terre inhabitée, délaissée, ils nous ont enlevé plusieurs différents services. Nos scieries ont fermé, 80 % d'entre eux. Nous sommes passés de le premier endroit pour les mines et nous avons passé maintenant au 16e rang et ils n'ont pas apporté les investissements qu'ils ont promis pour le cercle de feu. Ils doivent s'excuser auprès des gens du Nord ou sinon ils sont en train d'envoyer le message qu'ils peuvent mentir aux gens du Nord. Le député de Nipissing va retirer ses propos. Je retire mes propos. La vice-première ministre, au ministre de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président. Je suis très heureux de prendre la parole et de représenter un parti qui, en fait, fait des choses pour le nord de l'Ontario, au contraire du parti de l'autre côté qui décide de les mettre dans une boîte et d'arrêter le Collège boréal, par exemple. Le parti de l'autre côté ne connaît rien du nord de l'Ontario. J'ai fait des annonces. Lorsqu'on fait des annonces, les députés ne se présentent pas. Le député de Nipissing, veuillez revenir à l'ordre. Je vous ai averti il y a 4 minutes.
Et j'en ai aussi parlé la semaine dernière. Laissez-vous tranquilles les uns les autres. Faites votre travail dans vos propres circonscriptions. Le député va retirer ses propos. Je retire mes propos. Veuillez terminer. Intervention du président. Le ministre. Monsieur le Président, des centaines de milliers de dollars sont dépensés dans toutes les circonscriptions du Nord et c'est quelque chose qui est fait par ce gouvernement. L'élargissement de l'autoroute 69 à Sault-Sainte-Marie qui a été annoncé il y a quelques semaines. Nous parlons aux hôpitaux locaux, nous parlons aux microbrasseries locales. Monsieur le Président, de ce côté de la Chambre, nous travaillons. De l'autre côté, ils ne font que de fausses déclarations sur nos députés et c'est complètement faux. Intervention du Président, arrêtez la pendule. Le député va retirer ses propos. Je retire mes propos. Nouvelle question, député de London Fanshawe. Merci à la vice-première ministre. Peggy Clark de London est venue à Queen's Park ce mois-ci pour nous appuyer dans notre demande d'une enquête publique dans les soins de santé. La mère de Peggy a souffert d'une crise. Elle a été traitée avec les mauvais médicaments pendant 3 mois. On l'a déplacée 3 fois en 6 mois. Et ses effets personnels ont disparu. Peggy sait très bien que le personnel de soutien et les infirmières font ce qu'ils peuvent. Mais ce n'est pas assez pour donner aux patients les soins qu'ils méritent. Est-ce que la vice-première ministre écoutera les femmes comme Peggy et vraiment élargir la portée de l'enquête publique pour régler les problèmes dans le système de soins de santé, de soins de longue durée? Au ministre de la Santé et des soins de longue durée. J'apprécie la question. J'ai été très émue lorsque j'ai lu cette histoire. Et de me familiariser avec son expérience. Mais, Monsieur le Président, en ce qui a trait à l'enquête publique qui est en cours, laissez-moi dire à l'Assemblée ce que dit l'Association canadienne des individus retraités, le CARP. Nous sommes heureux que nous étudions les circonstances et les questions systémiques dans la situation entourant Elizabeth Wetlaufer. Ça ouvre la porte à des problèmes de personnel, de financement, qui pourraient en effet être vraiment l'élément clé de la raison pour laquelle Elizabeth Wetlaufer a été en mesure de continuer à tuer ses aînés. Monsieur le Président, je crois que la portée est assez large pour permettre à cette enquête d'aller de l'avant et de trouver les réponses aux problèmes. Complémentaire. Pendant beaucoup trop longtemps, les conservateurs et les libéraux ont balayé les problèmes sous le tapis et il n'y a rien qui change. Les aidants naturels comme Peggy Clark et les membres de la famille demandent une enquête qui est plus large. C'est la même chose pour plusieurs organismes publics pour régler les problèmes importants au sein du système de soins de santé et de soins de longue durée. Nous voulons avoir une enquête publique qui trouvera vraiment la racine du problème lorsque l'on parle des soins aux aînés. Est-ce que le ministre permettra à la portée d'être élargie ou est-ce qu'il trouvera une façon de balayer le problème sous le tapis une fois de plus? Le ministre. Merci. L'Association des infirmières agréées de l'Ontario a dit qu'elle était très heureuse d'avoir
une enquête publique sur Elizabeth Letwaffer et, je cite, « Cette enquête devrait s'attaquer aux inquiétudes en ce qui a trait au bien-être des Ontariens et Ontariennes qui vivent dans les maisons de soins de longue durée. Nous sommes heureux que la province ait répondu à l'appel pour une enquête indépendante afin de vraiment aller au fond des actes commis par Elizabeth Letwaffer et d'éradiquer les problèmes systémiques qui se produisent. Nous sommes heureux que le gouvernement ait établi une enquête avec un mandat large et maintenant nous serons en mesure d'avoir des recommandations pour régler les problèmes systémiques, incluant les problèmes de personnel et de financement. Nouvelle question, député d'Ottawa, Vanier. Dans ma question est pour notre très bonne ministre des Affaires francophones. Aujourd'hui, le 25 septembre, tous les francophones partout en Ontario célèbrent fièrement la Journée des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes. Nous avons d'ailleurs commencé aujourd'hui avec la levée du drapeau ici même à Queen's Park en présence de la communauté francophone et des jeunes des conseils scolaires de la région que je veux vraiment saluer. En cette journée spéciale pour notre communauté, je me demandais si la ministre pourrait nous parler des engagements concrets du gouvernement envers la communauté franco-ontarienne. Merci, la ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Puis je veux vraiment remercier ma collègue, la députée d'Ottawa, Vanier, pour son engagement au sein de la communauté franco-ontarienne. J'aimerais commencer, moi aussi, en saluant tous les francophones à travers la province qui célèbrent le 25 septembre et tous ceux qui sont ici à Queen's Park aujourd'hui. Je tiens aussi à remercier l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario pour leur travail et aussi pour cette belle levée du drapeau ce matin. Monsieur le Président, il y a eu un moment important la semaine dernière, jeudi dernier. J'aimerais soulever que la première ministre a fait honneur à toute la province et aux franco-ontariennes et franco-ontariens en étant la toute première dirigeante d'une province à s'adresser à l'Assemblée nationale du Québec. Elle a rappelé son engagement sans relâche envers les francophones ontariens, considérant la décision d'y aller de l'avant avec une université, l'entrée en fonction à l'OIF. Monsieur le Président, on est fiers. Merci. Monsieur le Président, merci. Je remercie la ministre pour sa réponse et je vois que c'est un grand plaisir, avec un grand plaisir qu'on voit les engagements concrets du gouvernement. J'aimerais aussi avoir davantage de détails sur l'université francophone. Est-ce que la ministre pourrait nous en dire plus au sujet de cette université? Merci. Merci, la ministre. Avec plaisir, Monsieur le Président. Et j'aimerais souligner que, tout comme moi, la députée est une grande alliée des francophones et je la remercie énormément. Laissez-moi vous rappeler, Monsieur le Président, que la communauté a longtemps attendu la création d'une université de langue française gouvernée par et pour les francophones. Le gouvernement a pris la décision de présenter un projet de loi afin de créer une université de langue française et nous pouvons en être fiers. Cette université sera la première en son genre dans la province et offrira davantage de possibilités aux étudiants désirant étudier en français. Croyez-moi, cette université ouvrira un monde de possibilités pour les francophones et les francophiles du centre-sud-ouest et aussi de toute la province. C'est une avancée historique et significative pour tous nos jeunes et les générations futures. Et je tiens à remercier ma collègue Deb Mathieu pour son leadership dans ce dossier, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Député de Nevin-Carlton. Ma question est à la ministre, au ministre de l'Énergie. La semaine dernière, la Couronne a décidé d'établir son cas dans la poursuite sur les centrales avant que le gouvernement nous dise que c'est quelque chose qu'ils ont décidé de faire, que c'est une question qui est devant les tribunaux et de jouer au ballon chasseur. J'aimerais citer la Couronne. Ils ont dit que malgré que le directeur du personnel est conseillé de maintenir les dossiers. On a dit qu'on avait le devoir, que c'était un devoir de préserver ces dossiers. J'aimerais que le ministre dise à cette Assemblée la raison pour laquelle le gouvernement libéral a comme politique de cacher la vérité.
Intervention du président. La députée va retirer ses propos. Je retire mes propos. Le ministre de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président. Au procureur général. Eh bien, Monsieur le Président, je vais essayer de répondre à une question qui a été retirée. La réponse est que la... En fait, la députée a reconnu dans sa propre question qu'il est inapproprié de traiter de toute question qui est devant les tribunaux. Elle connaît très bien la règle. Elle les apprécie, certainement. Elle apprécie le fait que cette question est devant les tribunaux et qu'il serait inapproprié pour tout député de tenir une conversation sur des procédures judiciaires. Et voilà la raison pour laquelle elle a dû retirer sa question. Complémentaire. Monsieur le Président, au ministre de l'Énergie, j'ai posé une question très spécifique sur une politique gouvernementale ayant trait à la conservation de données du gouvernement. Je vais citer le gouverneur du Texas qui a dit « J'aime bien faire quelques stepettes, je suis à gauche, je suis à droite, vous ne me voyez jamais. » Monsieur le Président, des contrats d'Hydro-Québec secrets, des ordinateurs qui ont été complètement effacés, il semble que ce soit la façon des libéraux de fonctionner. Intervention du Président, la députée va retirer ses propos et si elle continue sur cette ligne de questions, je vais passer la question. Veuillez retirer vos propos. Je retire cette ligne. Comment est-ce que la population ontarienne peut se fier à ce gouvernement, faire confiance à ce gouvernement lorsqu'il s'agit de gérer la province? Procureur général, la députée peut essayer d'utiliser toute langue rhétorique qu'elle veut. Dans sa propre question, elle a admis qu'elle pose des questions qui ont trait à une poursuite judiciaire et elle connaît les règles très bien. Elle est ici depuis assez longtemps pour savoir que lorsque l'on parle d'une question devant les tribunaux, il est inapproprié pour nous tous de parler de cette instance devant les tribunaux, peu importe la langue que vous utilisez. Je conseille donc à tous les députés de ne pas utiliser cette ligne de questions parce que ça pourrait avoir un impact sur une procédure judiciaire devant les tribunaux. Ça pourrait empêcher le travail d'une enquête indépendante. Nouvelle question, député de Niagara Falls. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la vice-première ministre. 3 000 travailleurs sont en grève dans le secteur automobile. Ils sont en grève parce qu'ils veulent s'assurer que GM construise l'Equinox ici en Ontario. C'est quelque chose qui est très... C'est quelque chose qui est très lié. C'est un secteur qui est très lié dans la province. Cette grève a fait en sorte que nous avons vu 355 emplois perdus et... Non seulement les travailleurs de Camille vont perdre leur emploi, mais aussi beaucoup d'autres travailleurs du secteur automobile dans la région de Niagara. Nous savons que les conservateurs veulent laisser mourir cette industrie. Et donc, j'aimerais poser la question une fois de plus. Les travailleurs se battent pour conserver leur emploi ici en Ontario. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne se bat pas avec eux? La vice-première ministre. Au ministre du Développement économique et de la Croissance. Monsieur le Président, de toute évidence, nous nous battons et c'est ce que nous faisons depuis 12 ans. Nous appuyons le secteur automobile, nous l'appuyons encore mieux que tout autre gouvernement qui nous a précédés dans l'histoire de l'Ontario. Aujourd'hui, nos pensées continuent d'accompagner le secteur automobile et les travailleurs du secteur automobile dans la province. C'est très important pour moi de dire que nous continuerons à demander aux deux parties, les travailleurs et General Motors, d'atteindre une conclusion à ces négociations le plus rapidement possible, car nous savons qu'il y a un effet de vague présentement dans ce secteur, incluant à Sainte-Catherine. Nous devons arriver à une entente entre ces deux parties dans la négociation collective. Complémentaire. Encore une fois, la vice-première ministre.
Aucune usine automobile n'a été construite en Ontario en 15 ans et 9 ont été construites au Mexique. Bien que GM fasse des profits records, on nous dit qu'il faut diminuer les régimes de retraite et les avantages sociaux des travailleurs. Bien que ces travailleurs soient les plus qualifiés avec le meilleur dossier, le meilleur bilan au monde, on se tourne tout de même vers le Mexique. Les travailleurs essaient de se battre. Ils essaient de conserver les emplois ici en Ontario, non seulement pour eux, mais pour nous tous, nos enfants, nos petits-enfants. Ils essaient de protéger les emplois à Niagara et en Ontario. Le gouvernement libéral doit avoir une stratégie dans le secteur automobile pour réaliser que si ces emplois nous quittent, ce sera le cas de milliers d'emplois dans le secteur automobile en Ontario. Nous savons que ces travailleurs essayeront de conserver les emplois ici en Ontario. Pourquoi est-ce que ce gouvernement n'essaie pas d'avoir une stratégie qui appuie les travailleurs automobiles ici en Ontario? Le ministre. Monsieur le Président, où était le député au cours des 12 dernières années alors qu'il était de l'autre côté? Nous regardait le gouvernement qui a investi le plus au cours des dernières années. Nous avons un partenariat avec ce secteur. Nous avons sauvé ce secteur. On n'en parlerait même pas aujourd'hui si ce n'était pas pour les gestes que nous avons posés. Nous avons investi 2,6 milliards de dollars, Monsieur le Président. Et nous sommes engagés depuis l'automne 2016, ce qui appuiera 40 000 emplois directs dans le secteur. Intervention du Président. Député de Windsor West, député de Niagara Falls, vous devez revenir à l'ordre. Merci. Monsieur le ministre, veuillez terminer. Simplement établi, ce gouvernement a investi 1,4 milliard de dollars, a mis en place 15,8 milliards de dollars et a maintenu des milliers d'emplois. Voilà ce que nous avons fait dans ce secteur. Nouvelle question. Lorsque je suis debout, vous êtes assis. Député de Barrie, ma question s'adresse au ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. J'aimerais féliciter le ministre ainsi que la première ministre pour leur accord avec le Québec et la Californie de la semaine dernière. Nous savons que le changement climatique est un grand défi auquel nous faisons face dans le monde entier et nous savons que l'Ontario doit avoir une approche réaliste pour combattre le changement climatique et c'est pourquoi nous avons mis en place une limite, un plafond sur la pollution en Ontario. Aujourd'hui, nous avons eu trois enchères qui ont été vendues au complet et ça nous a rapporté juste un peu en dessous de 526 millions de dollars. Nous avons un accord avec le Québec et la Californie qui entrera en vigueur en juillet 2018. Est-ce que le gouvernement peut nous dire la raison pour laquelle cette entente est la meilleure façon de diminuer les gaz à effet de serre en Ontario? Le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Merci, Monsieur le Président. Je remercie la députée de Barrie pour son travail acharné sur cette question. Notre gouvernement sait que les Ontariens s'inquiètent des effets du changement climatique et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place une initiative pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Les économistes indépendants ont étudié notre plan qui inclut le lien de notre marché entre le Québec et la Californie et on nous dit que c'est la meilleure façon de diminuer les émissions au coût le plus moindre pour les entreprises. Nous savons que de nous lier ces économies à la Californie et au Québec est le meilleur plan pour l'Ontario. Les experts le savent, les entreprises le savent. Les seuls qui ne semblent pas être au courant sont les députés de l'autre côté. Mais les experts ont dit que ce plan, que le plan des conservateurs coûtera 4 fois plus que le nôtre sans vraiment diminuer les émissions. Complémentaire. Monsieur le Président, le vendredi, le gouverneur de la Californie, Jerry Brown, a dit le suivant.
si on ne s'attaque pas au changement climatique, les économies du monde seront perturbées et il y aura une souffrance très importante chez les êtres humains. Ce problème nécessite des solutions à l'échelle du monde. C'est pour ça que l'Ontario élargit sa démarche de marché de carbone par l'entremise d'initiatives occidentales. On collaborera avec nos partenaires pour élargir le marché. Les recettes des ventes aux enchères seront réinvesties dans des programmes qui visent à aider les familles ontariennes et à protéger la planète. Ces projets comprennent des initiatives vertes de transport, l'amélioration des réseaux de cyclisme et autres. Le ministre peut-il parler de l'utilisation des recettes du programme de plafonnement échange, leur réinvestissement dans notre province, qui entraînera un avenir plus vert pour notre province? Merci à la députée de cette question importante. Nous savons que le changement climatique est un défi important. Nous ne pouvons pas prendre à la légère ce problème. À Québec, ce week-end dernier, la première ministre et le gouverneur Brown ont dit qu'ensemble, la Californie, le Québec et l'Ontario seront un exemple à suivre pour le monde entier pour ce qui est la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Nous sommes aux avant-postes en Amérique du Nord en ce qui concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre et en ce qui concerne la réduction de l'utilisation du carbone. Notre plan réinvestit toutes les recettes qui va nous permettre d'investir jusqu'à 1,9 milliard de dollars chaque année dans des projets verts. Un tel investissement serait utilisé pour les rénovations de maisons, par exemple, et permettra aux Ontariens de participer aux initiatives vertes qui protègent la planète. Et ça se fait de façon beaucoup moins chère. Pour le ministère des Affaires francophones. La loi sur les services en français est maintenant plus de 30 ans. Le commissaire en services en français, M. François Bouleau, a mentionné dans son rapport annuel dernier, aussi dans son rapport annuel cette année, la nécessité de refonte complète de la loi. Il recommande qu'il soit mis à jour immédiatement pour refléter les normes aujourd'hui. Monsieur le Président, pourquoi que ce gouvernement ignore-t-il mettre cette loi à jour? Merci. Le ministre. Je veux remercier le député pour sa question. Effectivement, la loi a 30 ans. La loi a 30 ans, elle nous a permis de faire des avancées significatives dans notre belle province de l'Ontario. Et cette loi a besoin d'être modernisée. C'est ça que j'ai dit dans un engagement concret lors d'une assemblée à l'Université d'Ottawa. Par la même occasion, je sais que le commissaire ne s'attend pas à ce qu'on ouvre la loi pour ne pas faire de choses significatives. Et je veux remercier l'Assemblée, la FO, qui travaille très fort avec la communauté pour vraiment trouver à savoir c'est quoi les choses importantes dans cette refonte. Monsieur le Président, pour moi, à titre de ministre des Affaires francophones, l'accès aux services en français est important à tous. Et je le sais, cette importance dans tous les secteurs. Response. Donc, nous continuons d'y travailler. Merci. Supplementary. Encore pour le ministre des Affaires francophones. À la page 95 du rapport annuel du commissaire de langue française, le commissaire recommandait à le ministère responsable des Affaires francophones de saisir cette occasion pour donner le coup et avant son tard à une consultation de la population pour un refond de la loi sur les services en français. Quand aurait-il cette refond complète de la loi? Merci. La ministre. Encore une fois, je remercie le député pour sa question parce que l'accès aux services en français est ce qui est le plus important dans plusieurs secteurs. Et lorsque je me promène dans la province, Monsieur le Président, ce que j'entends, c'est que les gens veulent avoir des services. On parle aussi de désignation. Ma lettre de mandat fait référence à une désignation, au processus de désignation à être amélioré. Et c'est ce qu'on s'est engagé à faire cet automne pour amener un plan de travail concret
projets pour aider le cheminement des désignations. Mais c'est certain, Monsieur le Président, que pour moi et pour nous, notre gouvernement, l'accès aux services en français, on a quand même, faut pas oublier de le dire, 26 régions désignées qui couvrent plus de 80 % de nos francophones. Nous avons plus de 622 000 de franco-ontariens qui célèbrent aujourd'hui le 25 septembre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. New question. Member from... Nouvelle question, la députée de Nickelburn. Monsieur le Président, ma question pour le ministre de la Santé. Les négociations entre 27 000 travailleurs hospitaliers et l'Association des hôpitaux de l'Ontario ont déraillé sur la question de la violence au travail. Pendant des années, les travailleurs de la santé de première ligne, dont la grande majorité sont des femmes, ont demandé au gouvernement de résoudre la question de la violence à leur égard. Mais ce gouvernement, comme les conservateurs avant eux, continue de limiter les budgets hospitaliers, licencier les travailleuses de première ligne et pousser nos hôpitaux dans une crise de surpeuplement très dangereuse. Qu'est-ce que le gouvernement va faire pour arrêter de faire augmenter le problème et commencer à protéger les travailleuses de la santé de première ligne? Merci. Minister of Health, le ministre de la Santé et des soins de longue durée. Merci. Monsieur le Président, nous ne pouvons pas tolérer la violence au sein de notre réseau de la santé ou dans n'importe quel établissement du gouvernement. Nous avons pour objectif de promouvoir une culture de tolérance zéro et nous avons l'objectif de n'avoir aucune violence faite aux travailleurs de la santé, par exemple les infirmières qui sont touchées de manière disproportionnée, ces personnes qui offrent ces soins importants. Si je me rappelle, Monsieur le Président, il y a 2 ans, les travailleurs de première ligne, les syndicats qui les représentent et les experts du domaine ont créé une table ronde visant à mettre fin à la violence en milieu de travail. Et donc, pour réaliser cet objectif, nous sommes obligés de travailler avec ces travailleurs pour entraîner les résultats désirés. Complémentaire. Si vous allez travailler dans un des hôpitaux de l'Ontario, vous devriez être en mesure de rentrer chez vous sain et sauf à la fin du corps de travail. Mais aujourd'hui, en Ontario, les travailleuses de la santé vivent dans la peur. Près de la moitié du personnel hospitalier de soins directs déclare être agressé à chaque année. Il y a des travailleurs hospitaliers en Ontario qui ont été battus tellement qu'elles ne travailleront plus jamais. C'est tragique, c'est inacceptable, mais c'est évitable. On peut prévenir cette violence. Est-ce que le gouvernement va encourager le retour à la table des négociations de l'Association de l'Hôpital des Ontario et leur fournir le financement nécessaire afin de garder ces travailleuses à l'abri de la violence au travail? Merci. Le ministre. Nous savons que les négociations de travail sont en cours. Cette table ronde que je viens de citer a rassemblé les acteurs du milieu et a déposé son premier rapport. Ce rapport met l'accent sur les infirmières de première ligne. Comme je l'ai dit, elles sont touchées de manière disproportionnée comparativement aux autres travailleurs. Il est évident que le gouvernement a l'obligation de mettre un terme à la violence en milieu de travail. Nous avons les outils nécessaires et nous allons faire les investissements nécessaires. Le premier plan a été créé en raison du rapport. Nous allons mettre en œuvre les recommandations. Nous travaillons avec le ministère du Travail, avec les associations de santé et sécurité et d'autres acteurs du milieu. Nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers parce que la portée de ce groupe doit être élargie. Nous avons déjà réalisé des progrès et nous allons mettre en œuvre les recommandations du premier rapport. Nouvelle question, le député de Beaches East York. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse au ministre des Affaires municipales. Donc, je reprends la question de la députée de Barrie. Notre gouvernement a un excellent bilan quant au changement climatique. Plus tôt, en été, le ministre de l'Environnement a annoncé que l'Ontario investira jusqu'à 100 millions de dollars des recettes de son marché de carbone
dans le Fonds de défi de carbone mondial, un programme qui vise à soutenir les mesures communautaires visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Nous faisons face déjà aux effets du changement climatique. Il y a eu énormément d'inondations en Ontario cette année. À Pembroke et à Renfrew, à Beaches-East York, il y a eu des inondations importantes. Donc, il y a eu des inondations dans la région ottawaise et à l'ouest de la province. Et en août, les sous-sols à Windsor et au comté Essex ont été inondés en raison des orages très importants. Au ministre, peut-il expliquer les mesures du gouvernement visant à aider les Ontariens quant à ces événements météorologiques extrêmes? Merci au député de sa question. Oui, il y a eu des événements météorologiques tout à fait désastreux. Entre 2005 et 2010, il y a eu 7 désastres déclarés. Entre 2010 et 2015, il y a eu 43 désastres qui a nécessité 36 millions de dollars en aide provinciale. Étant donné les inondations en Ontario en 2017, nous avons rendu à la disposition de la population le programme pour personnes sinistrées. Ce programme offre une indemnisation aux sinistrés à la suite d'un désastre naturel s'il n'y a pas d'assurance privée disponible. Le programme est à la disposition des Ontariens dans le cas des inondations terrestres. Ceci pourrait rénover la maison et aidera des centaines de familles. Merci. Je voudrais remercier le ministre de sa réponse et de son travail quant à l'idée d'aider les petites entreprises. Il y a eu des inondations dans toutes les circonscriptions des députés. À Beaches-East York, il y a eu des inondations terrestres et des refoulements des eaux usées. Le ministre était à Windsor il y a quelques jours pour commencer le programme d'aide aux sinistrés. Nous avons entendu parler des préoccupations en ce qui concerne la couverture et l'admissibilité à ce programme. Le député de Windsor-Tecumseh a dit jeudi que les assureurs privés n'offrent pas une couverture. Le ministre a dit que notre programme aide en cas d'inondation terrestre et en cas de refoulement des eaux usées. La technologie est à la disposition de la population pour prévenir le refoulement des eaux usées. Monsieur le ministre, pouvez-vous informer la Chambre quant à cette question? Le ministre, il y a une assurance à la disposition de la population. Le député de Windsor-Tecumseh a dit que j'avais tort. Mais c'est intéressant parce que selon cette entité, la couverture en cas de refoulement des eaux usées est disponible aux Ontariens. Le député de Windsor-Tecumseh a reçu ces informations aussi. En raison des inondations, il y a eu une couverture offerte de 124 millions de dollars. Mais il y a une différence entre le refoulement des eaux usées et l'inondation terrestre. C'est pour ça que notre programme existe et pourquoi il a été à la disposition de la population de la circonscription du député. Le député d'en face a tiré la mauvaise conclusion. Le personnel du ministère sera à Windsor cette semaine pour mieux informer la population quant au programme aux sinistrés. Nouvelle question, le député de Perry Sound Muskoka. Cette question s'adresse à la ministre plutôt des Richesses naturelles et des forêts. Madame la ministre, comme vous le savez, la construction du barrage à Battle Falls a été débutée, mais c'est un projet controversé. L'une des préoccupations les plus importantes, c'est la sécurité des résidents à Moon River. Votre ministère a reçu un plan, mais ce plan n'a pas encore été dévoilé au public. Il y a eu une réunion tenue la semaine dernière dans cette collectivité et beaucoup de personnes voulaient savoir comment les turbines pourraient être exploitées de manière sécuritaire, mais le plan n'a pas encore été dévoilé.
Pouvez-vous confirmer, Madame la ministre, si votre ministère a reçu le plan pour les turbines? Et si oui, allez-vous publier ce plan? La ministre, merci au député de sa question. Ce projet vient de commencer. Mais c'est un projet qui remonte à plusieurs années. Je sais que la collectivité y participe. Je voudrais donc remercier les membres de personnel de mon ministère. Nous avons pris l'engagement d'élargir l'accès aux sources propres d'électricité. Dans le cadre de l'étude environnementale, pour ce projet, SWIFT était obligé de consulter le public. Je peux vous dire qu'une fois terminé, le projet aura une bail en vertu de la loi. Mais des autres mesures de sécurité, par exemple les clôtures, des panneaux d'affichage et les éléments de sécurité nécessaires, relèvent de la compétence de SWIFT Power. Ce plan sera dévoilé bientôt. Nous avons un invité tout à fait spécial dans la tribune du président. Je vais donc faire la présentation de cette personne. Veuillez souhaiter la bienvenue à Alan Chesney, Premier ministre de Saint-Lucie. Bienvenue. Il n'y a pas de vote différé. Les travaux de la Chambre reprendront à 13 heures.